Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Ça, c'est la mascotte de mon blog que je tenais il y a une dizaine d'années. Il s'appelle Small. C'est un petit personnage que j'avais inventé en faisant un dessin animé à l'époque. Enfin bref. Et ce petit personnage, j'ai eu l'idée à un moment donné de le faire voyager à travers le monde, comme le nain de jardin dans Amélie Poulain. Alors, pour les plus jeunes, je ne sais pas si ça va vous parler, mais Amélie Poulain, film très connu du début des années 2000, que moi j'aimais beaucoup. Dans le film, il y a une histoire d'un nain de jardin qui voyage à travers le monde et qui est pris en photo devant les plus grands monuments de toutes les plus grandes villes du monde. Ben, moi à l'époque, ça m'avait fait rêver cette histoire. Donc j'ai eu l'idée de reproduire l'expérience avec ce petit personnage que j'ai confié à tous les gens, les amis, la famille, les tous qui partaient voyager autour de moi et qui eux-mêmes l'ont confié à leurs amis, etc. Et ça a complètement dépassé mes espérances. C'est-à-dire que j'ai fait ça entre 2011 et 2013, je crois, ou 2014, sur 2 ou 3 ans. Et en l'espace de 2 ou 3 ans, j'ai eu une quantité de photos qui sont arrivées de partout dans le monde, tous les continents, toutes les plus grandes villes, les plus grands monuments, etc. Enfin, vraiment, ça a été une aventure extraordinaire qui a hyper bien fonctionné. J'avais même créé un petit site à l'époque avec la carte Google Maps, avec tous les repères, les endroits où les photos avaient été prises. C'était un peu lourd à gérer, donc au bout d'un moment j'ai laissé tomber et c'est parti en désuétude. Mais j'avais envie de vous faire partager ça en vous faisant découvrir un petit film de 5 minutes qui va venir juste après, qui vous montre les aventures de Small avec une sélection de quelques dizaines de photos. Je vous laisse regarder ça parce que moi déjà en le regardant à nouveau, ça m'a fait vraiment bizarre de voir ce petit machin se balader partout à des endroits où moi-même je ne suis pas allé, hein, ce sont les gens qui sont allés pour moi et très franchement c'est magique, je vous laisse regarder. Believe in faith.
Voilà, donc comme vous avez pu le constater, Small a vécu des aventures extraordinaires. Moi, ça m'a fait vraiment rêver, c'est incroyable. Comme je vous dis, ça a vraiment dépassé toutes mes espérances. Vous avez pu le constater, il est allé partout, sur tous les continents, l'île de Pâques, le fin fond de la Sibérie, l'Australie, la Polynésie, l'Amérique, l'Afrique, enfin bref. Et je passe sur tous les pays de tous les pays européens. Ça a été un truc de dingue. Mais ce que je voulais vous dire là aujourd'hui, c'est qu'avec le recul, je me dis c'est quand même dommage d'avoir arrêté tout ça. Et je me dis qu'il est temps de lancer la saison 2 ou Small épisode 2. Parce que ce qui a changé, c'est que je viens de créer cette chaîne YouTube depuis quelques mois et je me dis que ça ouvre des possibilités encore plus incroyables. Parce que comme je vous disais à l'époque, Small épisode 1, c'était, ça tournait autour de mon blog qui concernait mes amis, ma famille proche. Donc ça faisait quoi, 30-40 personnes qui suivaient ça et qui ont participé au truc. Là je me dis que j'ai déjà 130 abonnés, ça monte tous les jours et donc ça ouvre énormément de possibilités. Cette chaîne elle est beaucoup plus ouverte sur le monde que mon blog, donc ça peut toucher beaucoup plus de gens, donc on peut aller encore plus loin. Surtout que concernant Small, il est allé partout sauf dans trois endroits vraiment mythiques que je n'ai pas eu. C'est les pyramides d'Égypte au Caire. Je sais que c'est incroyable, mais quand j'ai commencé cette aventure, c'était au moment du printemps arabe et plus personne n'allait en Égypte. L'Acropole à Athènes et le Machu Picchu. Donc ça, c'est trois endroits. Si vous connaissez des gens qui partent, ça sera le moment de faire jouer Small. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai créé un nouveau Small, légèrement différent du premier. Je l'ai actualisé parce qu'aujourd'hui, c'est Indiana Fraise. Donc désormais, il a un chapeau Indiana Jones. Et surtout, je l'ai plaqué sur un fond qui rappelle un passeport. Parce que je crois que c'est plus sympa, ça fait vraiment voyage. Vous retrouvez les motifs d'un passeport, la couleur et tout. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est, je vais vous laisser dans la description sous la vidéo les liens pour télécharger votre Small. Vous allez trouver un lien vers une page où Small est disponible. Vous faites un clic droit, vous enregistrez sur votre ordinateur et vous l'imprimez. Vous pouvez le plastifier, vous pouvez en imprimer autant que vous voulez. Vous pouvez l'amener avec vous, le distribuer autour de vous. Ce qui s'est passé à l'époque lors de la grande aventure, la première grande aventure de Small, tout le monde se les refilait et tout, et il y a même des gens, enfin la plupart des gens je les connaissais même pas, je recevais des photos sur ma boîte mail, je savais pas de qui me les avait envoyées, c'est ça qui était vraiment magique. Donc ce que je vous propose, c'est de participer à l'aventure si ça vous dit, si vous projetez de partir en voyage ou si vos amis vont partir en voyage autour de vous, connaissez des gens, n'hésitez pas. Par contre je risque de faire ça sous une forme beaucoup plus allégée qu'à l'époque, pas question de faire un mini site ni quoi que ce soit. Les meilleures photos je les mettrai sur mon Instagram et je pense que je compilerai tout ça pour faire des vidéos sur la chaîne. C'est quand même le but, c'est une chaîne YouTube, on va essayer de faire ça avec de la vidéo. Ah oui, et juste un truc, récemment je suis allé au Maroc, comme vous le savez, ceux qui suivent la chaîne ont vu qu'il y avait des vlogs. Et comme un couillon, j'ai complètement zappé Small parce qu'à ce moment-là, j'y pensais plus. Et justement, dans l'aventure de Small, j'ai très peu de photos du Maroc. Donc je sais que j'ai beaucoup d'amis marocains qui se sont abonnés à la chaîne depuis que j'ai fait les vlogs. Donc si vous m'entendez au Maroc, téléchargez-vous un Small et envoyez-moi, si vous y pensez, quelques photos. Vous trouverez l'adresse mail, tout ça dans la description de la vidéo pour pouvoir m'envoyer les photos. Voilà, je compte sur vous pour relancer cette aventure. Je pense que ça peut être incroyable avec le potentiel d'une chaîne YouTube, ça peut encore aller plus loin. Donc je compte sur vous, Small a envie de repartir en voyage. Et puis voilà, quoi. En attendant, on verra ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant régulièrement sur l'évolution des choses. Suivez mon Instagram, si je reçois des photos, je les mettrai dessus. Donc je suis preneur de tout, voyage, situation insolite, ce que vous voulez. Small est partant pour tout. En attendant les amis, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao.